Le bilan n'est pas encore définitif, mais c'est l'attaque la plus sanglante de Daesh en Irak depuis la reprise de Mossoul aux djihadistes en juillet dernier. Au moins 74 personnes ont été tuées, près d'une centaine blessées ce jeudi dans un double attentat près de Nasiriyah, à 300 km au sud de Bagdad. Cette attaque à l'arme automatique dans un restaurant, suivie de l'explosion d'une voiture piégée, visait les chiites, particulièrement nombreux dans cette région abritant les villes saintes chiites de Karbala et de Najaf.